Pour commencer, on peut définir un minéral en étant un solide naturel avec une disposition atomique très ordonnée et une composition chimique définie. Au moment, il existe plus de 5800 espèces minérales connues et on trouve plus de 150 nouvelles espèces à chaque année. Une espèce minérale est définie par une unique combinaison d'ordre atomique ou structure et de composition chimique. Dans le spinel ici, chaque atome de magnésium, d'aluminium et d'oxygène se trouve dans une position exacte. On voit aussi l'expression de cet ordre dans la forme de cristal. Pour mieux comprendre la rareté minéralogique, il nous faut considérer la distribution des espèces minérales à travers la planète Terre. Le noyau, le fer et le nickel solide, le manteau, de l'olivine et du pyroxène, mais c'est dans la croûte que la plupart de la diversité minéralogique se trouve. Le tableau périodique des éléments. Des 92 éléments qui existent naturellement dans la Terre, presque tous deux, vus ici en jaune, peuvent exister dans de différentes espèces minérales. Seulement ceux qui sont soit gazeux ou radiologiquement instables sont absents des minéraux. Pour mieux comprendre les abondances des minéraux dans la croûte, il nous faut considérer les abondances des éléments chimiques dans la croûte. Pour chaque élément, en fonction de position sur le tableau, est tracé ici. Faites seulement attention à la tendance générale ou la ligne violette. En comparant la ligne de tendance avec les abondances d'espèces minérales contenant chaque élément, on voit la même relation. On voit qu'il existe une relation directe entre la diversité minéralogique et l'abondance de cet élément. Pour certains éléments, on voit une diversité extrême. Mais la relation est plus complexe que ça. Ce diagramme circulaire nous indique le pourcentage de la croûte composée par les groupes de minéraux plus communs. Chaque groupe contient plusieurs espèces. Ici, on observe que la majorité de la croûte se compose de relativement peu d'espèces. En considérant seulement le nombre d'espèces minérales dans chaque groupe, on peut redessiner le diagramme comme tel. On se rend à une conclusion un peu contre-intuitive, que la majorité des espèces minérales connues sur la Terre sont effectivement rares. Alors, on se demande où se trouvent-elles? Pour répondre à ceci, considérons un exemple tout proche, le Mont Saint Hilaire, un des 10 collines montérégiennes qui s'étend entre la ville de Montréal et la région de lac Mégantic. Dans ces roches alcalines, les minéralogistes ont découvert une richesse de minéraux exceptionnelle. À l'écran ici, on voit quelques exemples d'espèces minérales initialement découvertes à Mont-Saint-Hilaire, le Bob Shannonite, l'Énotite, le Bussyite et le Riderite. Je souligne ces espèces ici parce qu'au présent, le Mont-Saint-Hilaire est la seule localité mondiale où elles sont observées. À Mont-Saint-Hilaire, on peut également trouver beaucoup d'espèces minérales qu'on pourra considérer comme étant communes localement, mais rares mondialement. Des exemples sont vus ici, la sérendite et le carlotonite. Le carlotonite est connu seulement d'une autre localité en Russie. Ainsi, à Mont-Saint-Hilaire, on trouve beaucoup de minéraux communs au monde, mais avec une qualité absolument exceptionnelle, en tant que leur forme géométrique parfaite, leur couleur ou leur taille. Trois exemples se voient ici, la rhodochrosite, le zircon et le catapléite. Enfin, à Mont-Saint-Hilaire, on trouve plus de 400 différentes espèces minérales, dont plus que 70 y ont été découvertes. Ça, c'est plus de 5 % de toutes les espèces connues sur la Terre. Plus incroyable, la carrière dont elles se trouvent est vraiment très petite. Tout autour du monde, on aperçoit des tendances similaires. Des grandes diversités d'espèces sont concentrées en peu de localités. Ici, la diversité observée est indiquée par les tailles des repères. Alors, on peut voir que la distribution des espèces minérales est très inhomogène. Nous venons d'observer que l'échelle à laquelle nous faisons nos observations est une partie implicite du concept de la rareté. Un minéral rare au niveau du microscope n'est pas nécessairement rare dans un échantillon de main, un affleurement, une région, la planète et au-delà. Mais il existe d'autres manières de conceptualiser la rareté que seulement la distribution des espèces. Comme illustré ici avec la calcite,
on observe d'énormes diversités de propriétés physiques dans les formes géométriques, les couleurs, les tailles et les qualités des cristaux. Considérons les trois exemples suivants de la tourmaline, un type de minéral géologiquement commun au monde. Ici, on voit un exemple de la tourmaline fibreuse de Birmanie. Cet échantillon se compose de plusieurs millions de petites fibres cristallines qui ont accru en parallèle. On voit ici un grand cristal de tourmaline zoné du Madagascar. La zonation des couleurs qu'on voit est très complexe, comme on aperçoit en traversant le cristal. La zonation est un phénomène commun dans la tourmaline, mais cette séquence oscillatoire est connue seulement dans ces cristaux. Finalement, on voit des grosses tourmalines provenant de la petite mine de Leduc au Québec. Cette mine produit des cristaux de taille et de couleurs exceptionnelles, des bleus verts et des rouges. Ces qualités ne sont pas vues ailleurs au Canada. On en fabrique même des gemmes. Alors, pourquoi collectionner et étudier les minéraux rares? L'étude des minéraux et des processus qui leur forment est essentielle pour comprendre la géochimie de la Terre, passé, présent et futur. Comme les minéraux sont les composants fondamentaux de la planète, ils seront toujours importants à étudier.